Bonjour mes amis Sagittaires, nous sommes aujourd'hui dans un tirage intemporel, celui de la voie de la conscience. Nous allons tirer ce magnifique tarot qui est un petit peu complexe et de ce fait, je démarrerai toujours par la lecture de la lame selon le livret qui accompagne ce tarot et ensuite je l'étofferai de mes propres explications qui sont celles que me enverra l'univers durant ce tirage. Merci beaucoup d'être avec moi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire en bas des vidéos. Alors, mes amis Sagittaires, nous allons tirer une première carte. Cette carte représente votre passé. Votre passé n'est pas quelque chose qui est fini, dans le sens où ça fait toujours partie de vous. Donc nous allons voir cette première carte. Ensuite, nous allons tirer une deuxième carte qui sera celle de votre présent. Et la troisième carte sera celle de votre évolution future. Alors, nous avons une première carte. C'est une carte archétypale qui est située à la croisée des chemins. D'accord? Nous voyons ici le labyrinthe spécifique à cette carte. Donc, le guérisseur est un... Pardon, le bâtisseur est une forme archétypale. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'archétype du bâtisseur et ensuite, nous allons le développer. Donc, recevez le courage et la vaillance du bâtisseur. Faites fleurir vos rêves. La lame du bâtisseur appelle notre masculin pour construire un projet. Cette belle énergie yang propulse à la concrétisation des rêves de chacun, avec éthique et noblesse. C'est le temps de l'action, celui de mettre dans la matière. Cette lame parle aussi de la transmission aux générations futures. Vous devez donc transmettre votre savoir aux générations futures. Vous êtes un bâtisseur ou une bâtisseuse et vous avez cette capacité de créer des projets, mais également de les graver pour pouvoir les transmettre. L'ordre des bâtisseurs est un ordre séculaire. Le maître bâtisseur a suivi un apprentissage. Il a été initié petit à petit, a suivi un apprentissage donc jusqu'à la maîtrise. Il connaît l'humilité et l'importance du temps nécessaire pour construire. Donc vous avez construit depuis longtemps, depuis les débuts, et aujourd'hui vous arrivez à votre statut de maîtrise. Le bâtisseur s'entoure d'une équipe qui participe à la réalisation de l'œuvre. Vous avez donc des grandes capacités pour fédérer, pour unir, pour emmener une équipe à la réalisation d'un projet. Il cherche, pense, réfléchit, imagine au fur et à mesure qu'il construit. Vous avez cette habileté d'adaptation, de contourner les problèmes. Il alchimise la matière pour rendre solide, beau, fiable les lieux où vivent les humains. Les questions que vous devez vous poser sont: quel projet avez-vous besoin de mettre en œuvre dans la matière? Avez-vous besoin d'une équipe pour le bâtir? Est-ce le temps pour vous de vous retourner et de contempler votre patrimoine intérieur? Qu'avez-vous envie de transmettre aux générations futures de votre œuvre de vie? Donc, votre passé fait partie de vous et vous devez comprendre que ce sont les fondations, mais également la maison, le temple que vous devez transmettre aux générations futures. Maintenant, nous allons voir dans quelle situation vous êtes à l'instant présent, dans quel niveau de conscience vous êtes aujourd'hui. Alors, voilà. Cette magnifique carte de l'extase et de l'entase. Alors, l'extase, c'est un état qui nous vient de l'extérieur, alors que l'entase est un état qui nous vient de l'intérieur. Ces deux états confondus ne sont pas des états dans lesquels on peut rester en permanence, d'accord?
Ce sont des états que vous allez susciter, que vous êtes capable de susciter par une longue et régulière pratique de la méditation. Mais on a vu que tout à l'heure, vous aviez ce bâtisseur, donc vous avez construit. Vous avez tous les outils. Même si vous n'en êtes pas conscient, mes amis Sagittaires, aujourd'hui, dans l'instant présent où nous sommes, vous avez à votre disposition tous les outils pour pouvoir vous permettre d'atteindre cet état d'extase et d'entase. D'accord? Ce sont des états qui ne peuvent pas être permanents, je l'ai déjà dit. Mais ce sont des états qui, lorsqu'on les a atteints, vont avoir une sorte de rémanence sur l'entièreté de votre journée ou même de votre semaine. Ce sont des états qui vont vous permettre d'arriver à la vraie connaissance de votre soi. Ce sont également des états qui devront vous permettre de faire la jonction de votre âme avec votre personnalité. La personnalité que vous développez aujourd'hui, c'est le véhicule qu'utilise votre âme pour réaliser les expériences de votre vie matérielle d'aujourd'hui. Allez accéder à votre réel soi. C'est accéder à votre âme, à l'entièreté de votre âme. Et ça, aujourd'hui, mes amis Sagittaires, vous en avez la capacité, vous en avez les outils. Donc, il n'y a plus qu'à. Si vous n'êtes pas déjà en train de faire de la méditation, eh bien, commencez, expérimentez. C'est l'outil ultime pour arriver à l'extase et à l'entase. Ce tarot est un tarot qui a été fait par une prêtresse du Tantra. Donc, c'est également un tarot qui nous dit que la voie de la conscience peut passer par la pratique du tantra et la sexualité sacrée qui l'accompagne. Ce n'est pas exactement le sujet de mon tirage aujourd'hui, mais c'est un moyen également à votre disposition pour y arriver. Alors maintenant, mes amis Sagittaires, nous allons tirer la troisième carte. La troisième carte, c'est la carte qui va nous parler de votre état futur, de là vers où vous allez, vers quel état vous vous dirigez et quel état de conscience vous souhaitez pour vous demain. Alors ici, nous sommes à la porte du cœur et de l'âme, et cette carte nous parle de science et de conscience. Alors, il y a une expression qui dit science sans conscience n'est pas quelque chose de bon pour l'humanité. Nous en sommes conscients que la science, si elle n'est pas confondue avec la conscience, eh bien, ça peut déraper, ça peut devenir quelque chose de totalement, comment dirais-je, incontrôlable. Parce que la science permet d'atteindre des capacités proches de la divinité de nos jours. On peut manipuler beaucoup de choses, on peut manipuler le génome humain, on peut cloner, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, ce n'est pas exactement de cela dont nous allons parler. Ici, nous allons parler du fait que l'union de la science et de la conscience pose l'humanité dans sa sagesse. À travers chacun de nous, elle accomplit doucement cet équilibre. Alors, la science cherche à comprendre les manifestations de l'univers et elle a fait avancer considérablement l'humanité. En effet, l'homme, par ses découvertes, a su développer des savoirs. La science apporte des solutions opérationnelles. Elle fait sortir des croyances qui peuvent faire circuler ou stagner l'humanité. La conscience est un état méditatif et sacré qui écoute l'âme et mène par le sensible à la connaissance. Et c'est bien ça le maître mot. Ce n'est pas la science qui est maître, mais c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est naître avec. Il n'y a plus d'action volontaire, mais une révélation divine qui se manifeste à condition de calmer le mental et de faire confiance à notre nature profonde. Comprendre la nature des choses est un chemin vers l'origine du monde et vers la construction du futur, à condition de garder le bon équilibre entre la science et la conscience.
La conscience est le garde-fou de l'homme dans son évolution scientifique. C'est ce que je vous disais depuis le début. Elle le protège de sa démesure. Cette pratique de transformation permet en vous l'alliance du rationnel et de l'irrationnel. Science sans conscience n'est-elle pas ruine de l'âme? C'est Rabelais qui disait ça. Cette carte invite le chercheur de vérité que vous êtes à unir le savoir et la connaissance au-delà de l'ego. Donc, vous allez atteindre, comme nous l'avons vu, vous êtes dans la capacité d'atteindre l'extase et l'entase. Il faut absolument que de cette source-là, vous puisiez cette conscience qui va vous permettre d'acquérir un savoir plus large, une connaissance plus large que n'est la science. Il y a trois niveaux de richesse. Il y a la richesse matérielle, il y a la richesse émotionnelle et la richesse spirituelle. La richesse spirituelle est infinie, comme son nom l'indique bien, elle est infinie, il n'y a pas de fin. Et la science fait partie de cette richesse spirituelle, de cette richesse où nous apprenons. Mais elle n'a pas non plus de bornes, elle n'a pas de limites. Et c'est là où notre conscience doit enrober cette science. Et de cette manière, cette richesse spirituelle sera équilibrée. Elle sera à la fois ancrée dans le réel, mais garantie de notre sagesse et de notre nature profonde par notre conscience de l'amour inconditionnel, par exemple, notre conscience de l'existence de l'origine, comme on l'a vu, mais qui est également peut-être et probablement la source de tout, mais également la fin de tout. Donc, prendre conscience que la science a ses fondements dans notre conscience est quelque chose de très important. Voilà, mes amis Sagittaires, c'était les messages pour vous de cet tirage de la voix de la conscience. Si vous avez aimé ce tirage, merci de liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire des vidéos. Je réponds à tout le monde de manière personnalisée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.